T'es content? Parfait. C'est comme toi. C'est Liwen, je crois qu'elle est... Je crois que c'est Liwen qui est le plus contente. Jessica met une robe à son fils. Les internautes sont furieux. Cette vidéo de Meilon met la toile en ébullition et déclenche une immense polémique qui oblige Jessica à prendre la parole. Toujours très complice avec sa sœur, le petit garçon a en effet voulu faire comme elle en portant une robe de princesse. Tu veux ça comme Liwen? Ouais. Ben va te chercher une robe alors. Si tu veux tourner comme une princesse, écoute, on va mettre une robe, hein. T'es content? Parfait. C'est comme toi. C'est Liwen, je crois qu'elle est... Je crois que c'est Liwen qui est le plus contente. Voilà. C'est tous les deux? Ouais, tous les deux. Ça te plaît la robe? Non. Non? C'est trop pour les filles. C'est trop pour les filles? Oui. Malheureusement, cette vidéo ne passe pas auprès des internautes qui sont nombreux à s'en prendre à la mère de famille pour avoir laissé faire Meilon. Excédée par les critiques à son encontre, elle décide de répondre. Bon, je vais répondre parce que j'ai quelques personnes qui ont réagi sur le fait que mon fils voulait mettre la robe de princesse de sa sœur. Non mais les gars, faut arrêter. Ma fille joue aux petites voitures. Des fois, elle va vouloir mettre les chaussures de son frère pour jouer, pour rigoler pendant 5 minutes. Faut arrêter de tout mettre. Le bleu, c'est pour les garçons. Le rose, c'est pour les filles. Les robes, c'est pour les garçons. C'est pour les filles, pardon. Si les garçons mettent ça, c'est des gays. Faut arrêter, quoi. Mon fils met mon baume à lèvres. Gilor, il me le demande toute la journée. Je l'empêche pas de mettre du baume à lèvres. Enfin, genre, à un moment donné, stop, quoi. Il s'amuse, c'est un enfant. Il n'y a rien de... Ça me rend ouf parce que j'ai plein de messages comme ça. Si je vous les partage tous, quelle honte de quoi. C'est un enfant de 4 ans qui s'amuse avec sa sœur. Et sa sœur, elle tourne. Il voulait faire pareil, en fait. De quoi vous parlez, putain. C'est un truc de ouf, en fait. Ça me choque que tous les gens, tout le monde, tout est mal vu. Alors pas par la majorité, mais je réponds à toi en général pour les autres. Arrêtez quoi, c'est vous qui faites des genres et c'est vous qui mettez des catégories de gens et qui faites... Enfin stop quoi, c'est deux enfants.